chacun de nous des ministres compétents de la délivrance. L'arme qu'il nous donne, c'est l'évangile. And the weapon that he gives us is the gospel. Nous accueillons le pasteur Mené Boniface pour la parole. Offrande d'acclamation. Offrande d'acclamation. Offrande d'acclamation. Love offering. Offrande. Love offering. Love offering. Le Seigneur est en train de nous bâtir. The Lord is building us up. Le Seigneur veut faire de nous des ministres compétents de la délivrance. The Lord wants to make of us competent ministers of deliverance. Et l'arme qu'il nous donne, c'est l'évangile. And the weapon that he gives us is the gospel. Nous l'avons vu. We saw l'évangile, the gospel, et la puissance de Dieu, is the power of God, pour le salut de quiconque croit, for the salvation of anyone that believes. J'avais l'intention de former des ministres de délivrance. I intended to train ministers of deliverance, et j'avais arrêté un programme, and I planned a program, et le Seigneur m'a dit, and the Lord told me, non, no, ne choisis pas quelques personnes. Do not make choice of some people. Donne cet enseignement à toute l'église. Give this teaching to the whole church. Le Seigneur veut faire de toi un ministre compétent de la délivrance. The Lord would like to make of you a competent minister of deliverance. Et dans le passé, in the past, quand je commençais un enseignement sur la délivrance, when I started a teaching on deliverance, j'expliquais comment les démons agissaient. I explained how demons operated. Et je terminais par comment faire pour les chasser. And I concluded by how to cast them out. Mais cette fois-ci, but this time, le Seigneur me dit, the Lord tells me, tu enseigneras l'évangile. You shall teach the gospel. L'évangile a été donné pour délivrer les nations. The gospel was given to deliver nations. L'évangile fait du progrès dans le monde. The gospel is moving forward in the world. L'évangile porte des fruits. The gospel is bearing fruit. Il y a la lumière, il y a la santé, il y a la vie partout où l'évangile est proclamé. There is light and health everywhere the gospel is proclaimed. Mais l'évangile a des articulations, l'évangile a des points, des axes. But the gospel has some articulation, that is some main points. L'évangile a des mystères qu'il faut expliquer à l'église. The gospel has some mysteries that should be explained to the church. Mais l'évangile est un don spirituel. But the gospel is a spiritual gift. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire voir la splendeur de l'évangile. It's only the Holy Spirit that can make you see the splendor of the gospel. Si tu n'as pas le secours du Saint-Esprit, if you do not have the help of the Holy Spirit, l'évangile devient pour toi une simple narration, une simple histoire qu'on te raconte. The gospel becomes for you a simple story, a simple narration that is told to you. Ton intelligence ne pourra même pas saisir le déroulement de cette histoire. Your understanding cannot even lay hold of this story. Mais l'évangile, but the gospel, a délivré des multitudes. Delivered multitudes. Et continue à délivrer. And is still delivering. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis à Jésus, parle-moi ce soir, Seigneur. Tell Jesus, speak to me tonight. Parce que les choses seront tellement simples. Because things will be so straightforward. Qu'elles pourront même t'échapper. That if you don't pay attention, they will escape you. Nous allons parler de la croix. We are going to talk about the cross. Du sang. The blood. Et du nom de Jésus. And the name of Jesus. Il y a une relation. There is a connection, a relation. La croix. The cross. Le sang.
The blood et le nom de Jésus. In the name of Jesus. Mais la chose fondamentale. But the basic thing. Nous avons vu la dernière fois que la résurrection a validé tous les dossiers relatifs à la rédemption. We saw last time that resurrection validated anything that concerns redemption. Nous avons vu que si Jésus restait dans la tombe, we saw that if Jesus remained in the tomb, je ne serais pas en train de vous parler. I would not be standing here to speak to you tonight. Tu ne serais pas là. And you too would not be here. Mais ce soir, but tonight, il est bon, it is good, que le disciple connaisse la relation entre la croix, le sang et le nom de Jésus. It is good for the disciple to know the relation between the cross, the blood and the name of Jesus. La chose fondamentale, centrale, the core thing or the basic thing, c'est la croix. It is the cross. Pourquoi? Why? Parce que c'est là, because it is there, que Jésus est mort, that Jesus died. Ce qui veut dire que la chose la plus fondamentale, c'est la mort de Jésus. D'abord, avant même de parler de la résurrection, il fallait qu'il meure d'abord. So, which means that the basic thing is the death of Jesus, because he was to die before we talk about resurrection. La mort de Jésus est une mort expiatoire. The death of Jesus is an atoning death. C'est de cette mort-là. It is from that death que le sang va couler. That the blood was shed. Et c'est de cette mort, it is from that death, que son nom est élevé. That his name is lifted up. Et c'est après cela qu'il nous donne ce nom-là. And he also gives us that name. Il dit, parlez à mon nom. He says, speak in my name. Les portes vous seront ouvertes. Gates will be opened to you. Si tu trouves une porte fermée, if you find gates or doors that are closed, ouvre-toi au nom de Jésus. He say, be opened in the name of Jesus, and it will be opened. Parce que Jésus a reçu le nom, because Jesus received the name, qui doit fléchir, qui doit briser tout orgueilleux, that should break any pride, qui doit ouvrir les portes, that should open doors, qui disperse les foules, that scatter, qui peut amener à l'existence et qui peut enlever de l'existence. That can bring into existence and that can take away, I mean, out of existence. Et devant ce nom, and before that name, tout genou doit fléchir. Any knee shall bow. Et toute langue doit confesser. Any tongue shall confess. C'est lui, Jésus, Jésus, Jésus. That he, Jesus, le Sauveur et le Seigneur. Jesus, the Savior. Si tu es dans cette salle, if you are in this hall, si tu as déjà dit Jésus est Seigneur, if you have already said Jesus is Lord, depuis ta naissance, starting from your birth, lève la main. Raise your hand. Est-ce que la parole de Dieu a menti? Regarde les autres. Did the word of God lie? Look, la Bible look. Dit que toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Regarde les gens qui ont déjà confessé cette salle. The Bible says, ne craignez pas, Jésus est glorifié. Raise your hand, Jesus is glorified. The Bible says that any tongue shall confess. Look at dis this. Je proclame. Say, I proclaim que Jésus-Christ est Seigneur. That Jesus is Lord. À la gloire de Dieu le Père. To the glory of God the Father. Si cette parole est vraie, that word is true. Acclamons Jésus. Let us clap the Lord Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Vous notez ceci. Note this. La rédemption. Redemption. Et la délivrance d'un mal. And deliverance from a harm. Ou de l'esclavage. Or from bondage. Par le versement d'un prix, c'est-à-dire d'une rançon. That through the shedding of a price, that is a ransom. Quand on parle de rédemption, when we talk about redemption, c'est-à-dire du rachat, that is the redeeming, on veut dire que quelqu'un quelque part a perdu sa liberté. We would like to say that someone lost his freedom somewhere. Que quelqu'un quelque part est enchaîné, is that someone somewhere is in chains, ou est esclave, to be or is a slave, et qu'il faut payer, that we should pay pour sa liberté, for his freedom. Vous notez que selon la loi de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, note that according to the law of the
the Old Testament or the Old Covenant, le propriétaire d'un animal, the owner of an animal, qui tuait ou qui blessait quelqu'un, who killed or wounded someone, pouvait être mis à mort, could be put to death. Tu as un bœuf qui tue quelqu'un, you have a cow that kills a person, on doit te tuer. You must be killed. Pourquoi on ne te tue pas? For you not to be killed, tu peux payer une rançon. You can pay a ransom. Tu écris, mais il pouvait être délivré. You write that, but he could be delivered de cette condamnation, de ce supplice, from that condemnation, from that suffering, en payant une rançon. By paying a ransom. Tu dois que c'est cette idée qui a été largement enseignée par les apôtres. It is that idea that was largely, widely taught by the apostles. En fait, les apôtres, in fact, the apostles avaient reçu une onction spéciale, received a special anointing, pour comprendre les Écritures, to understand the scriptures, après la mort et la résurrection de Christ. After the death and the resurrection of Jesus, ils savaient que Jésus devait souffrir. They knew that Jesus was to suffer. Les prophètes disaient que le Messie allait souffrir. The prophet said that the Messiah was to suffer. Jésus a passé le temps à leur dire que c'est moi ce Messie là. Jesus spent his time telling them that that Messiah is me. Certains avaient encore des doutes. Some still doubted. Mais pour la plupart, but for most of them, c'était clair dans leur esprit, it was clear in their mind, que le Messie, that the Messiah, c'est Jésus Christ, is Jesus Christ. Donc, après la résurrection du Seigneur Jésus, so after the resurrection of the Lord Jesus, et conduit par le Saint-Esprit, and led by the Holy Spirit, ils ont commencé à expliquer aux gens, they started explaining to people, que le sang de Jésus, that the blood of Jesus, la mort de Jésus, the death of Jesus, était pour leur rédemption, was for their redemption. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, je disais, c'est cette idée, so it is, I was saying that it is that idea, qui a été largement enseignée par les disciples du Seigneur Jésus et par les apôtres, that has been widely taught by the disciples of the Lord Jesus and by the apostles, par ses prophètes, by his prophets, par ses docteurs, by his teachers. Hallelujah. Praise the Lord. Vous notez ceci. Note this. Jésus a donné sa vie pour. Lis pour nous Marc chapitre 10 verset 40. Read for us Mark chapter 10 verse 45. Jésus a donné sa vie pour la rançon. Jesus gave his life for the ransom. Dit Jésus a donné sa vie pour ma délivrance. Say Jesus gave his life for my deliverance. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Amen. Lis dans Jean chapitre 8 verset 34. Read John chapter 8 verse 34. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Jesus answered them, most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Amen. La croix du Seigneur Jésus, the cross of the Lord Jesus, est dans le lieu du sacrifice, is the place of sacrifice. C'est là que Jésus a payé la rançon. It is there that Jesus paid the ransom. Pour la libération de tous les prisonniers, de tous les captifs. Donc toi et moi. For the liberation of all the prisoners and all the captives of whom you and I. C'est le lieu où son sang a coulé. It is the place where his blood shed. Lis pour nous Ephésiens chapitre 1 verset 7. Read for us Ephesians chapter 1 verse 7. Et pendant que tu écoutes cet évangile, and while you are listening to that gospel, to this gospel, la vie de Dieu va entrer en toi. The life of God will enter you. Notre prédication, our preaching, et
Une manifestation du Saint-Esprit. Is a manifestation of the Holy Spirit. Les paroles que tu entends. The word that you are listening. Sont des paroles qui donnent la vie. Are words that give life. Et qui apportent la délivrance. And bring deliverance. Read. Tu es dans cette salle. You are in this hall. Tu es esclave du péché. You are a slave of sin. Toi, tu sais que tu es esclave du péché. You yourself know that you are a slave of sin. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Un jour, one day, tu viendras te tenir ici. You will come and stand here. Pour dire que depuis le jour où tu as entendu ce que nous sommes en train de dire. To say that starting from the day you heard this word, la folie est sortie de ta tête. And folly got out of your mind, your head. Tu vas rendre témoignage. You will testify que ta délivrance du péché, that your deliverance from sin, s'est produite ici. Was produced here. Ce sont des paroles de vie. These are words of life. Qui a dit aux apôtres que le sang de Jésus délivrait les hommes du péché? Who taught the apostles that the blood of Jesus delivered people from sin? C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Il est dans cette salle. He is in this hall. Si tu crois, if you believe, il demeure avec toi. He remains with you. Il accomplit la promesse de Dieu en toi. He fulfills the promise of God in you. Si tu crois, if you believe, il demeure avec toi. He dwells with you. Il accomplit la promesse de Dieu pour toi. And he accomplishes the promise of God for you. Dis amen. Say amen. Lis l'évangile. Read the gospel. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. In him, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Amen. Lisons pour nous Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, Christ vient délivrer l'homme du péché. So Christ comes to deliver man from sin. Or, le péché est un mystère, c'est un phénomène mystérieux. And sin is a mystery. It is a mysterious phenomenon. Il ne suffit pas de dire tu es pardonné et puis c'est réglé. It is not enough to say that you are forgiven and it is settled. Il fallait payer une rançon. A ransom was to be paid. Et Jésus est venu le faire. And Jesus came to do it. Et vous allez remarquer que après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. And you realize that, notice that after the death and the resurrection of the Lord Jesus, les apôtres entrent dans une guerre radicale contre le péché. The apostles entered a radical war against the sin. Pourquoi? Why? Ils avaient compris. They understood que quand tu obtiens la liberté, that when you obtain liberty, tu la protèges. You protect it. La chose qui a fait perdre la liberté à l'homme, c'est quoi? The things that brought man to lose his liberty, what is it? C'est le péché. It is sin. Après le salut, after salvation, tu dois protéger ta liberté. You must protect your liberty. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Read for us 1 Corinthians chapter 6 verse 9. 9 à 10. 9 from 9, sorry, from 9 to 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals,
nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Amen. Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Parce qu'il y a des gens qui trompent les autres. Because there are people who deceive others. Nous allons revenir là-dessus. We will come back on it. Note que le croyant héritier de cette grâce. So the believer who is a heir of this grace. Le croyant. The believer. Héritier de cette grâce. Heir of that grace. Est appelé à vivre une vie de soumission et de consécration au service de Jésus-Christ. He is called to live a life of a submission and consecration in the service of Jesus. Il ne doit plus se soumettre à l'esclavage du péché. He must no more submit himself to the bondage of sin. On a déjà lu Galates 5 verset 1 qui dit: c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. So we have already read Galatians 5 verse 1, which says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. C'est donc une œuvre de réconciliation que le Messie est venu accomplir dans le monde. It is therefore a work of reconciliation that the Messiah came to accomplish in the world. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. He came to reconcile men with God. Lis pour nous Romains chapitre 5 verset 10. Read for us Romans chapter 5 verse 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Amen. Lis 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Read 2 Corinthians 5 verse 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Lis pour nous Galates chapitre 2 verset 17. Suivez très bien. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Écoute. Amen. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not. Si tu es évangéliste, if you are an evangelist, tu te tiens devant les hommes, and you stand before men, tu dis Jésus est venu mourir à la croix, and you say Jesus came to die on the cross, pour délivrer les hommes to du mensonge et de l'adultère, to deliver men from lie and adultery, de la fornication, from fornication. Et toi-même étant encore dans l'adultère, and you yourself, you are still living in adultery, le mensonge, lie, et la fornication, and fornication. Tu dis que c'est la grâce de Dieu qui agit ainsi. And you say that it is the grace of God that is working like que this. Personne ne vous séduit, frère. Let no one deceive you, brethren. La Bible dit, est-ce que Christ est un ministre de péché? The Bible says, is Christ a minister of sin? Est-ce qu'il fallait venir mourir à la croix pour que l'homme sache tuer son frère? Was Christ to come to die on the cross for man to know how to kill his brother? Est-ce qu'il fallait un sauveur pour que les gens sachent comment commettre l'adultère? Est-ce qu'il fallait qu'un sauveur descende sur la terre pour permettre aux hommes de pécher par grâce? Did we need a savior
to come on earth for man to sin and say that it is by grace. Quand tu étais dans l'ignorance, tu péchais. Qui t'a enseigné ça? When you were in ignorance, you used to sin. Who taught you this? Frère bien-aimé. Beloved brethren. Que personne ne vous séduise. Let no one deceive you. Ceux qui pratiquent le péché. Those who practice sin. Au nom de la grâce. On behalf of the grace. Les serviteurs du diable. Are servants of the devil. C'est écrit. Je ne sais pas moi qui les qualifie. C'est it is written. I'm not the one who is qualifying qui them. Ils sont les faux ministres. Les faux ministres. They are false ministers. Ce sont des esprits. They are spirits. Des ténèbres qui se déguisent en anges de lumière. Of darkness that change themselves as angel of light. Christ est-il un ministre de péché? Is Christ a minister of sin? Tu passais le temps à dire à quelqu'un, tu peux pécher, Jésus est mort, tu peux pécher, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est ça prêcher l'évangile? If you spend your time telling people you can sin, Jesus died, it's not serious, it's not a problem. Is this preaching the gospel? Ceux qui ont l'intelligence. Those who are wise. Peuvent déjà voir un certain Satan dans le jardin qui dit, mangez, vous n'allez pas mourir, mangez, vous n'allez pas mourir. Can already see a certain Satan in the Eden Park saying, you can eat of it, you will not die. Eat oh, Christ n'est pas ministre du péché. Christ is not a minister of sin. Il n'y a que Satan. It's only Satan. Pour dire, to say, mangez, eat, vous n'allez pas mourir. You will not die. Vous serez de Dieu. You are of God. Mangez, eat, vous n'allez pas mourir. You will not die. Vous serez de Dieu. You are of God. Qui a déjà vu un cadavre? Who has already seen a dead body? Si tu as déjà vu même à la télévision. Even if you've seen it on TV. Lève la main. Raise your hand. Qui a dit la vérité? Who said the truth? Dieu a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. God told Adam, if you eat of this fruit, you will die. Si quelqu'un, ta famille n'a jamais perdu quelqu'un depuis que tu es né, lève la main. If you, in your family no one died since you were born, then raise your hand. Vous voyez? You see? La mort, death, nous environne. Surrounds us. Le diable a menti. The devil lied. Tous les jours. Every day. Nous perdons les amis. We lose friends. Les parents. Parents. C'est comme ça que les choses vont se passer. That's how things will happen. On te dit, tu peux pécher, Jésus est mort, mais quand le jugement va venir, tu te retrouves dans le lac de feu. People tell you, you can sin, Jesus died, there's no problem. But when the last judgment comes, you'll find yourself in a lake of fire. Écoutons très bien. Listen carefully. Avant de rechercher la guérison physique, before seeking physical healing, la prospérité matérielle, and material prosperity, ou financière, or financial, ou académique, or academic, avant de rechercher la délivrance de la malédiction, before seeking deliverance from curse, et de toutes sortes de blocages, and from any kind of blockage, la délivrance des envoûtements et consorts, the deliverance from bewitchment and else. N'oublie jamais. Never forget. Le début, c'est le péché. That the beginning is sin. Quand Jésus vient dans le monde, when Jesus comes into the world, il vient pour ôter ce sort, cette malédiction de l'homme. He comes to take away this curse on man. Jésus ne pardonne pas seulement. Jesus does not only forgive. Il enlève le péché. He also removes the il sin. Il délivre de l'esclavage du péché. He delivers from the bondage of sin. Jésus ne pardonne pas seulement. Jesus does not only forgive. Il délivre de la servitude du péché. He also delivers from the bondage of sin. Vous voyez? You see? Dans une ville comme Abidjan. In a city like Abidjan. Tout le monde est dans le péché. Everybody lives in sin. S'il n'y a pas une action de Jésus,
If there is no action of Jesus, un homme va naître dans le péché et mourir dans le péché. A man will be born in sin and die in sin. Il pleure, il pêche. He cries and sin. Il y a une dame qui était sorcière. A woman was a witch. Et son fils était très malade. And her son was very ill. Très malade. Very sick. Et son fils lui a dit un jour, si je ne guéris pas, je vais aller tomber dans l'eau, je meurs. And one day her son told her, if I don't get healed, I will go and fall into the water and die. Elle a pris son fils. She took her son. Il l'a amené vers Dabou. She went with him toward Dabou. Auprès d'un féticheur, un marabout. To a marabout, a fetish man. Quand le féticheur les a vus, when the fetish man saw them, il a dit à la dame, he told the woman, mais il faut la manger en même temps. Il faut le manger en même temps. Then eat him. Therefore, eat him. Tu manges. Kill him and eat. Ça veut dire que le je dis marabout féticheur parce que dans certains endroits, marabout est un titre. Mais je dis sorcier féticheur. So, il est vrai que tous les marabouts sont des féticheurs, mais c'est un sorcier. Il est parti chez un sorcier pour trouver la guérison pour son fils. So she went to a witch to find healing for her son. Et le fils a vu sa mère embarrassée. And the son saw that her mother was embarrassed. Comment c'est ma maman même qui m'amène ici? Et ce monsieur lui demande de me manger en même temps. Ça veut dire qu'elle est au courant. How come it is my mother herself who took me here and that man asked tell her to eat me? It means that she knows what's going on. Et il nous disait quand il est sorti. And he said that when he came out. En fait, quand ils sont sortis. When they came out, il a demandé à sa maman que c'est comment maman. He asked his mother what's the matter? Écoutez sa réponse. And listen to her answer. Il dit, mon fils, she said, my son, tu sais que je t'aime. You know that I love you. Mais la nuit, but in a night, je n'ai pas la force. I do not have any strength. Je ne fais que détruire. I only destroy. Est-ce qu'elle n'a pas dit la vérité à son fils? Did she not tell the truth to her son? Mon fils, elle n'a pas renié. Il y a des sorciers. Dès que tu dis tu es sorcier, ils commencent à discuter. There are some people who are witch. When you say it, they start arguing with you. But she didn't argue. Elle dit mon fils. She said my son. C'est vrai. It is true. Je t'aime. I love you. Mais la nuit. But je n'ai pas de force. I do not have strength. Je détruis seulement. I only destroy. Chers frères, chers amis, derrière le péché, beloved brethren, behind sin, il y a un maître. There is a master. Il y a le diable. The devil. En fait, le salut de l'homme. In fact, the salvation of man est une grande délivrance. Is a great deliverance. Quand on dit que Jésus est venu délivrer du péché, ne pensez pas que Jésus est venu délivrer d'un acte immoral. When we say that Jesus came to deliver from sin, do not think that Jesus came to deliver us from an immoral act. Il y a des gens qui pensent que le mensonge est un acte immoral. Some people think that lie is an immoral action. C'est d'abord ça, mais surtout la manifestation du diable. And it is first of all that, but above all, the manifestation of the devil. Chaque vertu. Each virtue, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Is the manifestation of the glory of God. Quand tu vis dans la justice, when you live in righteousness, dans l'amour et la paix, in love and peace, tu reflètes la gloire de Dieu. You are a reflection of the glory of God. Quand tu vis dans le mensonge, when you live in lie, tu es le reflet de la puissance du mal. You are the reflection of the power of death. Donc of il y a evil. Il y a un esprit qui te contrôle. So there is a spirit that controls you. Quelqu'un ne doit pas te tromper que Jésus est mort à la croix. On peut mentir un peu, la grâce. Il veut juste te refuser d'entrer au ciel.
Do not let yourself be deceived by someone who tell you that Jesus died on the cross, but we can lie a bit. He just wants to deceive you to take you into heaven, into hell. Jésus est venu nous délivrer. Viens lire Ephésiens chapitre 2. Jesus came to deliver. Jésus est venu nous délivrer du diable, de la puissance du diable. Jesus came to deliver us from the power of the devil. Désormais, quand tu vas entendre que délivrance du péché, en fait, c'est la délivrance de la puissance du diable. Henceforth, if you hear deliverance from sin, it is in fact deliverance from the devil. Lis. Écoutez très bien l'évangile. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Reprends là où il parle de prince là. Écoutez très bien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez, les gens qui mentent, qui volent, ils agissent sous la puissance de qui? The people who lie and steal, they act under the power of whom? Ils agissent, un seul frère se lève, il crie sa haute voix. One brother stands up and shouts it. On dit, la parole de Dieu dit que les gens qui volent, qui mentent, qui tuent, vivent sous la puissance de qui? The words of God said. Non, reprends, ne sois pas pressé. Il faut que ça reste dans le monde, que ça remplisse la terre. C'est qui? Those who lie and steal and commit adultery live under the power of the prince of this world, who is Satan. Quand quelqu'un t'encourage à rester dans le péché, when someone encourages you to remain in sin, mon ami, my friend, c'est un évangéliste. He is an evangelist. Quand si quelqu'un t'exhorte, if somebody exhorts you à rester dans ton adultère, ton mensonge, c'est un évangéliste. To remain in your adultery and in your lie, he's an evangelist. Un puissant évangéliste. A mighty evangelist. Mais l'évangéliste de qui? But the gospel of whom? Une personne. Le diable aime quand c'est dans la foule là, on ne sait même pas si il va se cacher là. Waouh! Si quelqu'un te dit, mens, vole, Jésus est bon, tue. Il est l'évangéliste de qui? Acclamons Jésus-Christ. Il est l'évangéliste du diable. If someone tells you to lie, to commit adultery and to steal, he is the evangelist of the devil. Il fait son travail. He is doing his work. Nous devons faire aussi notre travail. We too must do our work. Nous devons faire notre travail. We must do our work. Parce que Jésus, because Jesus, n'est pas un ministre du péché. Is not a minister of sin. Il est ministre de la délivrance, de la rédemption. He is minister of deliverance and redemption. Il dit mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, c'est-à-dire non. Jésus n'est pas un ministre du péché. He says that while we ourselves are seeking to be justified by Christ, if we find ourselves in sin, is Christ a minister of sin? He says no. Christ is not a minister of sin. Verset 18. Nous sommes dans Galates chapitre 2. We are in Galatians chapter 2. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. He says, for
If I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Frère, nous ne sommes pas les transgresseurs. Brethren, we are not transgressors. Nous avons jeté les péchés dans la poubelle. We have cast sin in the dustbin. Si tu reçois un évangéliste du diable, if you receive an evangelist of the devil, qui te dit de retourner dans la poubelle, who tells you to go back into the dustbin, ramasser ce que tu as jeté, and go and pick what you have cast away, et manger, and eat, n'obéis pas. Do not obey. Il fait son travail. He is doing his work. Qu'il continue son travail. Let him continue his work. Tu n'as pas besoin de lui. You don't need him. Toi aussi, tu continues ton travail. You also continue your work. Il n'a pas besoin de toi. He doesn't need you. Chacun sert son Dieu. Each one is serving his God. Chacun sert son Dieu. Say each one is serving his God. Les fils de la lumière pour leur père de lumière. The sons of light are serving the father of light. Les fils de la lumière servant leur père de lumière. The sons of light serving the father of light. Et les fils des ténèbres servant leur père de ténèbres. And the sons of darkness serving their father of darkness. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Si je rebâtis, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Car for c'est par la loi que je suis mis à mort. À la loi, afin de vivre pour Dieu. For I, through the law, died to the law that I might live to God. J'ai été crucifié avec Christ. I have been crucified with Christ. Et si je vis, and if I live, ce n'est plus moi qui vis. It's no longer me. C'est Christ qui vit en moi. But Christ lives in me. Si je vis maintenant. And if I live now, si je vis maintenant dans la chair, if I now live in the flesh, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Hallelujah. Praise the Lord. Nous sommes les fils de la résurrection. We are the sons of resurrection. Nous vivons la vie de la résurrection. We live the life of resurrection. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Écoutez. Listen. Le péché, frère. Sin, brethren, n'est pas une attitude seulement. It's not just an attitude. Il y a Satan derrière cette affaire. Si tu n'as pas compris ça, Satan is behind this. If you have not understood that, Jésus a clairement expliqué cela aux Juifs. Jesus clearly explained this to the Jews. Il leur disait, he told them, si quelqu'un pêche, il est esclave du péché. If someone sins, he is a slave of sin. Ils ne comprenaient pas. They did not understand this. Ils disent, non, non, nous ne sommes pas des esclaves. They said, no, no, we are not slaves. Il dit, mais je vous dis que si quelqu'un pêche, il est esclave du péché. He said, but I tell you, if someone sins, he's a slave of sin. Vous êtes en train de faire comme votre père. You are just doing as your father. Il dit, non, non, oh non, notre père c'est Abraham. They say, no, 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 our father is Abraham. Jésus a dit, ok, je vais vous dire maintenant la vérité. Jesus, vous avez pour père le diable. Jesus said, ok, now I'm going to tell you the truth. Your father is the devil. Frère, expliquons ça aux gens aussi simplement. Brethren, let us explain this to people so simply. Montrons aux gens que le diable est derrière chaque péché. Let us show people that the devil is behind each sin. Chaque encouragement à rester dans le péché est un encouragement à servir le diable. Each encouragement to remain in sin is an encouragement to serve the devil. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Il leur a dit, vous avez pour père le diable. Quand il ment, il parle de son fond. Il n'a rien d'autre que le mensonge. He told them that your father is the devil because when he speaks of his own bottom because he has nothing else than lie. Alors, en résumé, l'évangile est contre qui donc réellement? So, si tu trouves, je te donne un livre. To sum up, the, oui. The il a trouvé. Apportez-moi une copie. Une copie de la délivrance de la dépression. Tu as compris.
So, quand tu proclames l'évangile, when you proclaim the gospel, tu as un adversaire. You have an adversary. Satan lui-même. Satan himself. Tu peux être un petit en Christ. You can be a small one in Christ. Mais, but tu es devant you are le before diable. The devil himself. Mais tu n'es pas seul. And you are not alone. Jésus a dit, Jesus je said, suis avec vous tous les jours. I am with you always. Tous les jours. Always. Quand tu prêches, when you preach, tu prêches. You preach. Tu dis Jésus, tu prêches. You preach. Tu dis repentez-vous. Repentez-vous. You say repent. Vous serez pardonné. You will be forgiven. Vous serez pardonné. You are forgiven. C'est une guerre contre Satan lui-même. It's a war against Satan. C'est une guerre contre Satan lui-même. It's a war against Satan. Le Seigneur m'a dit. The Lord enseigne said, à toute l'église. Teach all the church. Que toute l'église soit transformée en ministre de délivrance. Let all the church be transformed into ministers of deliverance. Quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, l'adversaire c'est le diable. Tu veux chasser le diable. The adversary is the devil. You can cast him away. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce n'est pas une lutte charnelle. It's not a carnal fight. C'est une lutte spirituelle et intelligente. It's an intelligence and spiritual fight. Tu dois connaître quel est ce mystère là? You must know what this mystery is. Quand une fille vit dans la fornication, when a lady lives in fornication, qu'est-ce qui lui arrive? What's happening to her? C'est une esclave. She is a slave. Le diable l'a saisie. The devil has laid hold of her. Elle ne sait pas que c'est le diable. And she doesn't know that it is the devil. Que c'est des petits problèmes. She thinks that it's a small problem. Et parce que c'est une affaire de religion, moi j'ai mon église. They think that it's a question of religion. I have my church. Avec un enfant dans le, certaines filles, elles sont enceintes, elles ont deux autres petits enfants, mais elles disent moi j'ai mon église. Some ladies, they are pregnant and she has two. They have two other little boys or children, and they say I have my church. Je lui demande où est le père de celui-ci. And he said, where is the father of this one? Non, il n'est pas avec moi. No, he's not with me. Nous nous sommes séparés. We are parted. C'est le même père. Non, non, non. Son père, lui, il est ailleurs. Is it the same father? He said, no. This one, his father is elsewhere. Et la grossesse, là. What about the pregnancy? Je ne sais pas. I don't know. Jésus a dit à une femme. Jesus told a woman. Va m'appeler ton mari. Go and call your husband. Va m'appeler ton mari. Go and call your husband. Il dit, je n'ai pas de mari. But she said, I do not have Jésus a husband. Dit, tu as dit la vérité. Jesus said, you said the truth. Tu en as eu cinq. You had five. Même celui avec qui tu es. Even the one with whom you are. Il n'est pas ton mari. Is not your husband. Elle a déposé sa cruche. Elle est partie dire aux autres. She put her pitch down and went to call the others. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit she tout said, ce que j'ai fait. I met someone who said everything about me. Ne serait-ce pas le Christ? Is he not the Christ? Et les gens sont venus voir. And people came to see. Et ils ont cru. And they believed. Je suis catholique. I am Catholic. Ce n'est pas le catholicisme. It's not a question of Catholicism. Ça c'est la cachette. This is hiding. Tu te caches dans le catholicisme. You are hiding yourself in Catholicism. Tu détruis même encore même ce qui était un peu bien là-bas. Tu détruis. You are even destroying even what that which was better there. Il y a des gens qui disent je cherche une bonne église. Some people say, I'm seeking a good church. On ne cherche pas une bonne église. We don't seek a good church. On croit en Jésus. We believe in Jesus. Quand tu crois en Jésus, when you believe in Jesus, Jésus te change, il te transforme. Jesus changes you, he transforms you. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to the Lord Jesus. Offrande d'acclamation. 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 Clap offering to the Lord Jesus. Jésus Christ. Jesus. Jesus. Pour encourager les hommes à rester dans le péché, à mentir, à voler.
C'est un évangile pour le diable, pour promouvoir le royaume du diable. Seigneur, je suis un évangile de la lumière. Je suis un évangéliste de la lumière. Je suis du royaume de la lumière. Je t'ai cru, Seigneur. J'ai cru en toi, Seigneur. La puissance de la résurrection m'a affranchi du péché. Oh, Seigneur, quelle bonne nouvelle. Merci, Seigneur. Sois célébré pour cette bonne nouvelle. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta lumière à lui dans les ténèbres. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour la délivrance des multitudes. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus n'est pas un ministre du péché. C'est le ministre de la délivrance. Il est venu nous délivrer du péché. Et ces évangélistes nous délivrer de la puissance du diable. Et ces évangélistes que nous sommes les évangélistes de la lumière. Notre travail, c'est d'amener les hommes à reconnaître celui qui est caché derrière, oh, chaque péché, celui qui exhorte les gens à demeurer sous la puissance du diable, sous la puissance du péché, qui n'est que Satan lui-même. Qui était caché dans le jardin d'Éden et qui disait à Adam et à Ève, mangez, vous ne mourrez pas. Mangez, vous ne mourrez pas. Tu as exposé Satan. Tes ministres ont exposé Satan. Tous ceux qui exhortent à demeurer dans un péché quelconque sont des ministres du diable, des évangélistes de Satan. Nous sommes les évangélistes de la lumière. Nous œuvrons pour imposer le règne de Jésus, pour chasser le diable de la vie des âmes. En les amenant à quitter tout péché, nous proclamons que le péché est une œuvre du diable. Le péché est spirituel. Satan est caché derrière le péché. Aucune personne, aucun homme ne doit demeurer dans un péché quelconque. Parce que c'est le lien de la malédiction. C'est le lien de la mort. Et Jésus est venu payer la rançon par son sang pour que nous soyons délivrés. La délivrance est possible. La délivrance est sûre. En Jésus-Christ, nous proclamons que nous avons reçu la délivrance. Et nous proclamons la délivrance du péché. Nous proclamons la délivrance du péché en Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus est venu délivrer du péché. Nous sommes libres en Jésus. La liberté en Jésus. Personne ne doit demeurer dans le péché. Parce que Jésus est venu délivrer effectivement. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Lis pour nous Romains chapitre 5 verset 10. Read for us Romans 5 verse 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Amen. Lis Romains 8, verset 7. Read for us Romans 8, verse 7. La vérité, c'est que quand les gens vivent dans le péché, the truth is that when people live in sin, ils sont ennemis de Dieu. They are enemies of God. Donc, la mort de, l'une des vertus de la mort de Jésus était de réconcilier l'homme avec Dieu, c'est-à-dire enlever l'inimitié, l'inimitié qui était entre l'homme et Dieu. Jésus enlève ça. So, the death of Jesus was to reconcile man with God, that is, to remove the enmity between God and man. Lis verset 7, chapitre 8. Read chapter 8, verse 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Amen. Jacques chapitre 4, verset 4. James chapter 4, verse 4. Adultez que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen.
adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever, therefore, wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Amen. En fait, cela doit être clair dans l'esprit de chacun que le péché fait de l'homme un ennemi de Dieu. Actually, it must be clear in the mind of anyone that the sin makes of man an enemy of God. Vous notez que la croix est le lieu où Jésus s'est identifié à l'homme. Note that the cross is the place where Jesus identified himself to man. Il a pris la place de l'homme. He took the place of man. C'est le lieu de la substitution. It is the place of substitution. La peine que nous devrions porter, c'est lui qui a porté cette peine-là. The punishment that we were to bear is the one who bore it. La croix est le lieu du brisement. The cross is the place of brokenness. La croix est le lieu du brisement. The cross is the place of brokenness. C'est le lieu d'humiliation. Is the place of humiliation. C'est le lieu de la malédiction. Is the place of curse. C'est là où le mal qui devait, en fait, qui était sur nous a été ôté par Jésus. It is there that the evil, the harm that was on us, was taken away by Jesus. C'est là où notre le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. It is there that the punishment that we were to go through fell on him. Et tous les ministres de délivrance, tous les missionnaires doivent maîtriser ce rapport que nous sommes en train d'établir. All the ministers of deliverance and the missionaries must master this connection that we are making now. Tous les enseignants, all the teachers de la Bible, of the Bible. La croix c'est le lieu de la honte. The cross is the place of shame. C'est là où Jésus a remporté la victoire. It is there that Jesus won victory. Sur la mondanité. Upon worldliness. Il a remporté la victoire sur le vieil homme. He won victory upon he overcame the old man and the flesh. C'est là où Jésus a remporté la victoire sur les puissances des ténèbres, c'est-à-dire sur le diable et sur tous les démons. It is there that Jesus overcame the power of darkness that is on the devil and all his demons. Et tous les esprits humains, tous ceux qui sont engagés dans l'armée du diable, c'est là où Jésus les a écrasés. And all the human spirit and all those who are committed in with the devil, it is there that Jesus crushed them. C'est là où Jésus a eu la victoire sur le monde et sur toute la séduction et les convoitises qui sont dans le monde. It is there that Jesus overcame the world and all the seduction of the world and all the covetousness that was in the world. La croix est le lieu de la victoire de Jésus. The cross is the place of the victory of Jesus. Et lis pour nous Colossiens chapitre 2. Read for us Colossians chapter 2. Verset 8 à 15. Reading from verse 8 to 15. Écoutez très bien la parole de Dieu. Listen carefully the word of God. Vous allez voir que Jésus vient dans le monde pour pardonner les péchés, ça devient un combat contre les principautés sataniques. And you see that it is there. You will see that Jesus came into the world to deliver man from sin. It becomes a battle against satanic principalities. Il y a des pécheurs pleins dans cette salle. There are sinners in this hall. Mais nous voyons seulement les êtres humains. But we only see human beings. Mais Jésus. But Jesus est venu contre les gens que nous ne voyons pas. Came against people that we don't see. Et il les a écrasés. And he crushed them. Et l'homme peut être libéré. And man can be delivered. Lis rapidement. Read. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Having disarmed the principalities and powers, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. He made a public spectacle of them, triumphing them over them in it. Jésus est venu délivrer de la religiosité sans Christ, sans Dieu. Jesus came to deliver from religion without God. Il est venu montrer comment on peut obtenir la circoncision spirituelle à partir de son cœur. He came to show how we can obtain spiritual circumcision from the heart. Il est venu détourner de nous la colère de Dieu que la loi annonçait contre nous. He came to turn away from us the wrath of God that the law proclaimed against us. Et par-dessus tout cela, and above all this, il s'est levé contre le diable et contre son armée. He stood against the devil and against his army. Il les a livrés en spectacle. He made a public spectacle of them. Il a montré qu'il pouvait mourir, entrer dans la terre et ressortir vivant et victorieux. He showed that he could die, get down in the earth and get out victoriously. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit, attends, je meurs un peu, après je reviens vous saluer. We have never seen someone who said, wait, I die and after I will come back to life. C'est ce que Jésus a fait. That's what Jesus did. Et il ne se donne pas la mort, il dit, je laisse les méchants me tuer. And he does not give himself life, death. He said, I will let the wicked one kill me. Ils l'ont effectivement traité comme on traite un ennemi. And they truly treated him as we treat an enemy. Même l'humanité a retenu les traces de cette histoire-là. Even, ça ne pouvait pas être caché. Even mankind got the tracks of that story. It cannot be hidden. Il est ressorti victorieux de la tombe. He came out victoriously from the tomb. Hallelujah. Praise the Lord. La croix, the cross, a parlé de sa mort. Spoke about his death. Et de son œuvre contre les ténèbres. And about his work against the darkness. La croix, the cross, a permis que le sang coule. Allowed the blood to shed. J'ai d'abord dit, I first said, que la croix donne la victoire sur le diable, sur la chair, sur le monde. That the cross gives us victory upon the devil, flesh, and upon the world. Maintenant, je suis en train de dire. And now I'm saying, à la croix, le sang a coulé. On the cross, the blood shed. C'est le sang de la rédemption. It's the blood of redemption. C'est le sang de l'alliance. The blood of the covenant. Notre relation avec Dieu et avec son Fils Jésus est fondée sur une alliance éternelle. Our relation with God and with His Son Jesus is grounded on an everlasting covenant. Et le garant de cette alliance, ce n'est pas toi, c'est qui? And the one that la holds personne that, qui protège cette alliance, the one that protects that covenant is Jesus pas, himself. Ce n'est pas moi avec nos petites mains et nos petits pieds. It's not, c'est le lion de la tribu de Judas lui-même. It is not us with our little hand and the foot. It is the lion of the tribe of Judah. Il protège cette alliance. He protects that covenant.
Frère bien-aimé, beloved brethren, je vais te dire une chose. I'll tell you one thing. Tu ne peux pas rétrograder. You cannot backslide. Tu n'auras pas la force de le faire. You will not even have the strength to do it. Si vous entendez qu'un frère a rétrogradé, if you hear that a brother has backslided, il n'avait jamais cru. He had not believed. He had never believed. Ne croyez jamais. Never believe qu'un être that are a being sur la terre, on this earth, sous la terre, under the earth, dans les lieux célestes, in heavenly realms, à n'importe quel endroit de l'univers où l'on puisse vivre. Whatever the place where a man can live, ne croyez jamais qu'il existe quelque part dans ces endroits quelqu'un qui peut détruire l'œuvre de Jésus. Never believe that it exists somewhere in those places someone who can destroy the work of Jesus. C'est une œuvre éternelle. It is an everlasting work. Si tu donnes ta vie à Jésus, if you give your life to Jesus, tu seras dans la main de Dieu. You will be in the palm of God. Et Jésus disait, and Jesus said, la volonté de mon père, the will of my Father, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, is that I should not lose any of those, any one of those who those là où he gave tu me. Assis, where you are sitting, que tu sois fort, que tu sois faible, whether you are strong or weak, Jésus a déjà posé la main sur toi. Jesus has already laid his hand on you. Ton histoire, your story, ne sera plus jamais la même. Will never be the same. Jamais la même. Will never be the same. Là où tu es assis, where you are sitting, tu es le fruit d'une élection de Dieu. You are the fruit of an election of God. Tu n'es pas le seul qui sera sauvé. You are not the only one that will be saved. Tu fais partie de ceux que Jésus a déjà sauvés. You are part of those Jesus has already saved. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, parle de la justification. Is about justification. Comme la croix parle de la victoire. As the cross speaks, talk about the victory. Elle agit contre le mal. It works against evil. Mais le sang fait ce qui est positif. But the blood does what is positive. Le sang rapproche. The blood gets you near. À travers une alliance éternelle. Through an everlasting covenant. Le sang justifie. The blood justifies. C'est-à-dire le sang fait qu'on t'appelle le juste. That is the because of the blood you are called the righteous one. Le sang, the blood, t'accorde ce qu'on appelle l'expiation. Grants you what we call, enlève le péché. Grants you what we call atonement. That is, it removes sin. It blots out sin. Le sang, the blood, apporte ce qu'on appelle la propitiation. Brings you what we call propitiation. C'est-à-dire le sang rend favorable. That is, it makes favorable. Le sang attire la grâce de Dieu. The blood attracts the grace of God. Le sang, the blood, le sang donne l'adoption. The blood gives you adoption. C'est par le sang que tu t'appelles enfant de Dieu. It is by this blood that you are called a son of God, a child of God. Certaines personnes peuvent rendre témoignage. Some people can testify. Que dans des combats spirituels, dans un songe. That in some spiritual warfare, in some dreams. Quand ils ont dit le sang de Jésus. When they said the blood of Jesus. Ils ont eu la victoire. They got victory. Pourquoi? Why? Parce que à travers le sang, tu agis. On ne voit pas ton péché. Tu es caché. Because through the blood, you are hidden. We do not see your sins are not seen. Si le diable accuse les gens. If the devil accuses men, si toi tu arrives, if you come there, il voit le sang de Jésus. He sees the blood of Jesus. Si tu le menaces, il va partir. If you threaten him, he will depart from you. Il ne peut rien faire contre le sang de Jésus. He can do nothing against the blood of Jesus. Dieu avait déjà montré ça quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. God had already seen, showed this when the children of Israel were coming out of Egypt. Il a dit, vous allez tuer un agneau, vous allez mettre le sang sur les poteaux, sur vos portes. He said that you are going to kill a lamb and you put the blood on the lintels of your doors. Il a dit, je vais envoyer un destructeur. He said, I will bring a destructor. S'il voit le sang, if he sees the blood, il passe. He will pass over. Je vais vous expliquer une chose. I'll tell you something. Et écoutez ça très bien. Listen carefully. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël. When God told the children of Israel, que je vais vous délivrer cette nuit. That I will deliver you this night.
Mais ils n'étaient pas purs. But they were not clean. Mais il devait les faire sortir de l'Égypte. But he was to take them out of Egypt. Dieu devait envoyer un ange détruire tous les premiers nés de l'Égypte. God was to send an angel to come and destroy all the firstborns of Egypt. Et Dieu a trouvé la solution. And God found a solution qui lui permet de détruire les Égyptiens sans toucher, sans détruire Israël. Which allowed him to destroy Egyptians without touching the firstborn of Israel. Qui avait cependant des péchés aussi. Who yet they had sins. Et Dieu a dit, cachez-vous sous le sang. And God said, be hidden under the blood. Après cela, and after that, Dieu leur a donné la loi. God gave them the law. Il dit, je vous ai sauvé. He said, I saved you. Mais vous serez saints comme moi. But you shall be holy like me. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me carefully? Donc, la grâce, c'est quand il les appelle sans mérite. The grace is that is when he called them without any merit. Après, and after, il se révèle à eux. He reveals himself to them. Si, il y a des gens qui pensent que comme Dieu a appelé les enfants d'Israël à entrer sous le sang, ça veut dire qu'ils peuvent vivre dans le péché. There are some people think that when since God called the children of Israel to get into the blood, it means that they can live in sin. Et Dieu a commencé à tuer systématiquement ceux qui voulaient refuser la conversion dans le désert. And God started killing systematically those who refused conversion in the wilderness. Vous voyez donc la différence. You see the difference. La grâce, the grace, c'est une faveur, is a favor, mais qui a des limites. But which has limitations. La grâce t'invite à entrer dans l'obéissance le plus tôt possible. The grace invites you to get into obedience very quickly. Si tu veux continuer volontairement, le jugement est sur toi. If you want to continue in sin deliberately, the judgment of God will fall upon you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je vais lancer l'appel. I'm going to launch a call. Avant cela, before that, j'ai dit des choses très sérieuses. I said things that are very earnest. Qu'on ne peut pas arrêter sans une conclusion dynamique. As we cannot stop without a dynamic conclusion. Lis pour nous Romains chapitre 8. Read for us Romans chapter 8. À partir du verset 29 jusqu'au verset 39. From verse 29 up to verse 39. Ça va résumer ce que je disais quand je parlais j'expliquais que rien ne peut nous séparer de Jésus. This is going to sum up what I was saying. Nous sommes là. We are here. Élus et bénis, protégés. Elected and protected. Si tu sors volontairement pour aller pécher, la malédiction revient dans ta vie. If you get out deliberately to go and sin, the curse will come upon you. Ce n'est pas la faute de Jésus. And this is not the fault of Jesus. Read. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez maintenant très bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Is there someone in this hall? Qui veut donner la vie à Jésus? Who would like to give his life to Jesus? Lève la main. Raise your hand. Viens, viens rapidement. Venez vous tous. Come, come speedily, come. Pendant que les gens viennent, while people are coming, je veux me rassurer que j'ai dit tout ce que je devais dire. I want to make sure I've said everything. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, qui a coulé sur la croix, that shed on the cross, est le sang de l'alliance, is the blood of the covenant, le sang de l'expiation, the blood of the atonement, le sang de la propitiation, the blood of propitiation, le sang de l'adoption, the blood of the adoption, le sang de la justification, the blood of justification, le sang du rachat, and the blood of the redemption. Ce qui reste à dire, what remains to be said, cette victoire de Jésus sur la croix, is that this victory of Jesus on the cross, a élevé son nom au-dessus de tout nom, has lifted up his name above any other name. Et Dieu nous le donne, nous donne ce nom-là, and God gives us this name, pour que nous puissions l'utiliser pour combattre les démons, for us to use it to fight the enemy. C'est par ce nom, it is by this name, que nous opérons les miracles, that we work miracles, wonders. Les apôtres pouvaient dire, the apostles could say, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi cet homme. It is by faith in his name that his name has made this man firm. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 3 verset 16. This can be read in Acts chapter 3 verse 16. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi l'homme que vous voyez. It is by faith in his name that his name has strengthened the man that you see. Vous pouvez aussi lire dans Actes chapitre 4. It can be also be read in Acts chapter 4, du verset 10 au verset 12. From verse 10 to verse 12. Le nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. The name that have been given by which we can be saved, we are to be saved. Qui d'autre? Who else? Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus si tu es dans la salle? Who else would like to give his life to Jesus in this hall? Vous êtes béni. You are blessed. Levez vos mains. Raise your hand. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Tu es mort à la croix. You died on the cross. Tu m'as sauvé. You saved me. Tu es mort à la croix. You died on the cross. Tu m'as justifié. You justified me. Tu m'as sanctifié. You sanctified me. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your Lamb book of life. Change mon cœur. Change my heart. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Je veux marcher avec toi. I want to walk with you. Et je veux te servir avec tes enfants qui sont dans ce monde. I want to serve you with your children who are in this world. Donne-moi la force. Give me strength. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De toute la malédiction. From all the curse. Qui règne dans ma famille. That reign in my family. J'accepte. I accept.
qu'on me sépare. To be separated de tous les envoûtements. From all the bewitchments. De toutes les alliances démoniaques. With all the demonic covenants. Entre mes ancêtres et les démons. Between my ancestors and the demons. Et au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons ces alliances. We judge any covenant. Nous séparons de ces malédictions. We separate you. Et nous chassons tous les esprits derrière. And we cast all the spirits behind. Et nous vous bénissons, nous vous bénissons. And we bless you, we bless you. Nous bénissons votre marche. We bless your walk. Nous frayons le chemin devant chacun. We pave the way before each one of you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Offrande d'acclamation. Clap of praise. Merci. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Seigneur. Say Lord. Que ta parole remplisse cette nation. Let your word fill this nation. Que tout évangile de ténèbres. Let any gospel of darkness. Soit chassé de la nation. Be cast away from the nation. Que la lumière remplisse les maisons. Let the light fill the houses. Que la lumière remplisse les cœurs. Let your light fill the hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.